Et bonjour à tous, c'est Joy. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un tuto modding. Alors, dans cette vidéo, je vous apprendrai comment mettre des things de Galaxy dans My 11 Go Chronostone. Donc, bah, c'est très simple, on va commencer tout de suite. Donc, déjà, il vous faut les deux ROM, enfin, il faut tous les fichiers décryptés de Galaxy de Chronostone. Donc, vous ouvrez le IE6 AFA de Chronostone. Ensuite, vous allez dans Data, Caractère, Motion, puis Waza. Après, vous sélectionnez la technique que vous cherchez. Alors, c'est très simple, pour trouver le nom de la technique, il vous suffit d'aller sur mon serveur et vous avez une liste de différentes techniques dans le hashtag lien pour moi, voilà. Ensemble. Une fois que vous avez la technique que vous cherchez, et bien vous avez juste à l'ouvrir avec Carabiru évidemment. Ensuite, bien, vous voyez que vous avez différents fichiers. En fait, c'est pas très. Maintenant, pour savoir quelle technique vous allez remplacer, maintenant vous allez aller dans les fichiers de CS et vous allez ouvrir tous les fichiers techniques. Et dès que vous allez voir un fichier avec les mêmes nombres de fichiers, bah, ça va être ce fichier qui sera compatible, parce qu'en fait, si vous voulez, vous pouvez pas remplacer n'importe quelle technique par n'importe quelle technique. Il faut que les deux techniques aient le même nombre de fichiers et les mêmes fichiers. C'est pour ça qu'il faut chercher. Alors c'est pareil, c'est dans le IE, c'est dans le IE AFA Waza, dans le IE AFA data caractère motion Waza, puis après c'est le même endroit. Bon, là moi, comme j'ai créé les fichiers, je vais dans le dossier directement, mais parce que je peux pas me faire chier. Donc après, vous sélectionnez les fichiers et vous les ouvrez. Et donc à chaque fois, vous allez regarder le nombre de fichiers, s'il est concordant ou pas. Voilà, chaque fois vous allez les comparer. Donc là, par exemple, je les compare et je vois qu'ils n'ont pas le même nombre de fichiers à un près. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas compatibles. Bon, alors je tiens à préciser que j'ai changé de technique parce que en fait j'avais vu qu'il n'y avait pas de technique compatible avec les gens en train de j'ai pris en place une technique. Mais bon, c'est pas grave. Donc, une fois que vous avez trouvé deux techniques qui sont compatibles, donc vous avez juste à extraire le fichier en question, le fichier qui est le Galaxy, donc ça vous donne un dossier avec le fichier. Et ces fichiers, donc, vous allez tous les renommer à travers le numéro par le numéro que vous cherchez, par le numéro de la technique que vous voulez remplacer. Donc là, en l'occurrence, c'est 0.0.3, enfin, G49 par 0.0.3, qui est en fait le décorapable. Une fois que vous avez changé à tous les fichiers, vous remplacez le fichier. Et après, ça peut vous faire passer dans les lieux AFA. Et normalement, vous devez être bon.
une fois fait, bien maintenant il faut que vous preniez un autre fichier. Donc cette fois c'est toujours dans le IE6B.fa de Galaxy que vous allez l'ouvrir. Vous allez dans sec ou je crois, et après vous avez les fichiers en question. Et après, du coup, vous reprenez le même fichier. Donc, dans mon cas, c'est Sprint Éclair, du coup, WHO0049. Donc, après, vous allez l'extraire, vous le prenez, et vous le remplacez dans le IE, dans les IEBFA. Parce que, c'est, en fait, si vous remplacez, si vous changez pas les deux, ben, vous allez avoir des techniques. Soit elle a un glitch, ou soit elle est même pas finie carrément. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument modifier les deux. Sinon ça va, il y aura un bug. Donc du coup là, une fois fait, faut maintenant changer le nom de la technique. Donc le nom de la technique, vous avez toujours dans les fichiers de jeu, donc c'est dans le IE6BFA de Galaxy, dans image, et c'est dans skill name. Et du coup ben, vous prenez toujours le même code de la technique, et après vous allez l'extraire. Et vous allez ouvrir le IE6, le IECFR ou un FA dans Galaxy, c'est Chronostone, je me perds, c'est incroyable. Donc dans Chronostone, après vous allez dans data, image, skill name, et vous remplacez le nom de la technique. Et normalement, ça devrait être bon.